Salut les crocos, salut les gars, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, training avec Davy Donna. Donc là, il y a la famille Donna derrière, ils sont en train de s'entraîner. Et juste après, on va pouvoir aussi bosser aussi au niveau des jambes, un peu en karaté. Vous savez, pour moi, c'est très important le karaté. J'essaie de l'inclure dans mon MMA et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes dans le karaté. Et du coup, bah, c'est pour ça que je suis de nouveau eh bien, à Thiers. Chez Davy Donna pour pouvoir bosser certains coups en karaté. Les gars, avant que la vidéo commence, on n'oublie pas de s'abonner, on like pour me donner de la force et bien sûr, on active la cloche pour être au courant des prochaines sorties, les gars. Allez, training avec Davy Donna, let's go. Bon, apparemment, les gars, ça va être sparring. On m'a dit d'enfiler les protèges. Ah, moi, sparring, vous savez, les mecs, hein, je suis chaud. Donc, c'était pas prévu, mais bon, bah voilà, on va tourner un petit peu. Kick. Karaté, let's go. Ça change tout, là il est obligé de se réadapter à un autre style. Voilà, hop, et le bras avant, fallait le lancer. Tu as touché avec le bras arrière, bras avant, boum boum, en doublé comme tu as vu tout à l'heure. Je suis, ouais, bien, 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 ouais, bien ça, bien, bien les messieurs. Allez, 30 secondes, équipe. Super, voilà, hop, hop, voilà. T'as mis ta garde, là, qui vaut une fois que t'as mis ta garde. Coquille, il fallait balancer un bras derrière, sinon lui il avance tout le temps. Voilà. Voilà, bien ça. Bien les deux. Pas la tête au balcon. Taille. Pas la tête, bien les gars. Bon, là on s'est un peu échauffé avec Josué. Un petit peu gentiment pour les déplacements. En boxe, il est très bon en boxe. Hein. Ça se voit, il a le coup d'œil, il est là un peu comme un reptile. Attendre le bon moment pour pouvoir placer sa frappe. Et puis je pense qu'il a de l'agressivité en lui. Donc ça, en fight, il a les crocs, ça. Donc ça c'est bien. Et puis ouais, c'est un combattant MMA, donc très intéressant. Donc là, on va passer aux choses sérieuses. On va pouvoir envoyer un peu les jambes. Allez les gars, maximum de likes, bien sûr, pour me donner de la force. Ça donne toujours un peu de force, les gars. Ah
Ressenti franchement sympa, un bon petit tour de chauffe on va dire, donc tranquillement, franchement, pieds et poings on donne, pense à désaxer, absorber, remiser, etc. Toutes les combinaisons sont dedans, ensemble. Un mélange de coups de pied, de coups de poing, des enchaînements, plus que du un temps. Ils ont essayé de placer des techniques à deux et trois temps. Voilà, en vitesse. Allez,
Wow. Les gars, là, niveau du rythme, je sais pas si ça se voit à la caméra en réalité, mais il a imposé des rythmes, c'est lui qui gérait de A à Z le rythme. Et ça, c'était très très intéressant. Vous avez vu l'évolution des coups au corps qu'il peut mettre. Ah, il m'en a mis au moins 3-4 des différents, toujours en visant la même zone. Et franchement, les mecs, oh, j'ai eu mal. Un ski qui m'a envoyé à un moment donné, ça m'a retourné un peu le bide. Non, chaud, chaud Davy. On a hâte de le voir combattre de nouveau. Ah, on le sent vraiment très bien là. On va dire on a fait 2 minutes. Ouais, 2 minutes. On aurait pu plus, mais tu t'es entraîné avant, tu t'entraîneras aussi après ton atterrissage parce que tu vas bouger là. Ouais, c'est ça, là je bouge, ça y est. On commence à faire beau, on va partir avec ma petite femme tranquillement. On va prendre des vitamines. Ouais, on peut mettre vitamine D parce que bon, le soleil il arrive maintenant, mais. Ouais, c'est vrai. Hein, on l'a attendu longtemps. Ouais. Donc voilà, mais non, franchement, très bel échange. Moi je sens que t'es dangereux sur la boxe anglaise. D'accord. Je sens que sur la boxe anglaise, on avait fait une vidéo. Aussi en travaillant les jambes. Ouais, ça m'a beaucoup servi. Je sais pas si t'as suivi, mais. T'as vu ou pas? J'essaie d'enregistrer, j'essaie d'envoyer les jambes là, hein, tu vois? J'ai vu, bah là, ouais. Bah, avec moi, c'est bien. T'essayes de faire des coups de pied tournants, des rotations. Ouais, j'essaye. T'essayes de faire des directs, des coups de pied, tu varies au niveau des low kicks, middle et high kick. Tu varies un petit peu. D'accord, donc, ouais. Ce qui est bien, c'est que ça, en fait, finalement, ça va mettre le, comment dirais-je, le partenaire. Il est un peu dans le. Dans un stress, dans l'incertitude. Ouais. Et c'est ça, en fait. Tu modifies tes trajectoires et après, ça rentre comme dans du beurre. Parce que là où il s'y attend pas, bim, la jambe va arriver. Ouais, tu m'en as placé des beaux comme ça. Hein, en me feintant et puis bam, voilà, de l'autre côté. Ça, parce que tu m'as fait appréhender avant une zone pour me toucher autre part. Exactement. Tu vois. C'est ça. Et en fait, c'est ça. Dès qu'il y a de l'incertitude chez le combattant, il est plus trop sûr de lui. Il se dit, ah là, ça va arriver là, ça va arriver là. Ça arrive à un autre endroit et là, voilà. Là ça peut donner un chaos quoi. En gros, c'est que le chaos, c'est pas que de la touche forte. Ouais. Il y en a, ils arrivent comme de. Oh bam! C'est pas ça, il faut le créer des fois. Il faut le créer. Le mec, il sait pas, bim, il y a une place, l'interrupteur, il est touché, ça est terminé. Tu vois. Ok. Donc voilà, mais en tout cas, je vois que t'as mis à profit les coups de pied, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bah, j'écoute ce que tu me dis. Hein. C'est ça, ça sert à ça aussi de se déplacer. Hein. Venir voir Davy, on prend max. Non, franchement, okay, bah, merci à toi d'être patient. Merci encore. Normalement, il y a un combat au mois de septembre-octobre. Ouais, c'est ça aussi qu'on est venu chercher. On est venu chercher de l'info, plus précisément. On essaye. Donc, alors, nous, normalement, en karaté fight. La fight, hein. C'est lourd. Donc voilà, on va voir un peu comment ça se dessine. Ouais. Et puis, on va donner le max et essayer de. Là, on travaille bien avec les coachs pour essayer de placer un bon KO et revenir fort dans le game. Ouais, revenir fort dans le game. Je devais combattre normalement à Las Vegas, ça n'a pas pu se faire. Parce qu'ici, on est un des plus gros clubs de France. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai dû m'occuper des jeunes. Ouais, jeunes. C'est réel. Tu m'en avais parlé. Et puis ils sont champions. Ouais. J'ai vu. T'as fait que des champions là. Que des champions. Voilà, avec ma petite femme. Donc, franchement. Ouais, on a bien bossé cette boulot, saison. On a bien bossé cette saison, mais ça veut dire au final que j'ai pas pu moi penser à moi. Ouais, t'entraîner toi, c'est vrai que ça demande un temps particulier. T'es 2 mois où t'es dans ta zone, dans ta sphère, et puis même mentalement, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a des moments, je sais pas comment tu gères toi au niveau des fights. Est-ce qu'il y a des moments où tu deviens un peu antipathique, où tu veux voir personne, où tu deviens un mec chelou, un mec de l'ombre? T'as vu, elle est là derrière. Ça j'étais sûr. J'étais sûr. Parce que tu sais, en règle générale, tu sais, les personnes super solaires comme toi, comme moi, c'est vrai, bon, j'ai un peu de soleil. Ah, on vient du même endroit, on est des West Indies, ma main. Donc, on a soleil en nous, mais à côté de ça. Pardon, tout le monde a Ouais, tu sais, on a la pardon, bing yong. C'est assez. Et quand les fights arrivent, on peut se mettre dans une espèce de sphère vraiment de méchant. Ouais, c'est ça, mais après, je dirais que c'est du conditionnement. C'est du conditionnement après, bah. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir ma femme qui est 3 fois championne du monde aussi. Qui a l'expérience. Donc, voilà, l'expérience, donc elle connaît. Mais c'est vrai que là, il y a une zone de danger supplémentaire, en sachant que ça peut aller au chaos. Ouais. Je me suis déjà blessé, je me suis déjà pété le tibia. Ouais, ça, j'ai suivi, vois, t'inquiète donc, pas. Donc il y a des trucs, on n'y va pas genre pour enfiler des perles, quoi, tu vois. Ouais. On sait qu'il y a un vrai danger. Voilà, on sait qu'il y a un vrai danger, quoi. Hein, on voit des combats où les mecs, ils finissent dans un état pas possible. On se dit, ça peut toujours arriver. Bien sûr. On n'y pense pas trop, sinon on n'y va pas. Ouais, non, mais il faut avoir le mental de guerrier, à se dire qu'on va au risque quand même. Exactement, c'est ça. Et c'est ça qu'on aime. À un moment donné, quand on arrive, on nous appelle, on dit ça. Appelle une fois, je disais à mon coach, à Kevin, juste avant de rentrer, je dis, vas-y, je suis bien dans ma vie, j'ai mes enfants, je suis marié. Ouais, t'étais un peu trop confortable. J'ai de l'oseille, T'étais trop confortable. Qu'est-ce que je viens foutre là, c'est ça. Mais c'est qu'en fait, on aime ça, tu vois. Ouais, c'est ça, cette sensation. Et dès qu'on l'a plus, cette sensation de mise en danger, d'adrénaline, de se confronter, l'adrénaline. Et bah, il te manque un petit truc. C'est la confrontation, en fait, c'est une adrénaline particulière. Exactement. C'est pas la même que quand tu sautes en parachute, parce que j'ai fait ça. C'est pas pareil, le fight, c'est indifférent. Ah, c'est un délire. Ouais, c'est ça. Bon, allez, let's go. Kevin, entraîneur kickboxing, Muay Thai.
accessoirement karaté combat. Ça fait maintenant deux bonnes années que je travaille avec Davy, que je prépare Davy. Donc le but à Davy, bien évidemment, c'était pas de lui apprendre son karaté, il le connaît par cœur. C'était vraiment de lui apporter de la boxe, du kickboxing dans son karaté. Les trajectoires sont complètement différentes. Et surtout le karaté combat, c'est bien et totalement différent du karaté traditionnel. Il a fallu vraiment apprendre à faire mal. On fait que de la coordination justement pour lui montrer comment on travaille, tu vois, comment on a réussi au fait à travailler nos liaisons, point-pied ou pied-point, d'accord, ok. Allez, c'est parti, 1, 2, bam, bam, 1, 2, crochet, bam, 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 1, 2, bam, bam, 1, 2, bam, bam, 1, 2, crochet, bam, 1, 2, crochet, là, 1, 1, là, 1, jab, jab, croche, bam, 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 là, 1, 2, 1, 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 Mais en gros, on a beaucoup travaillé ça pour travailler vraiment nos liaisons, les liaisons, les liaisons à fond, tu vois. Ça va être léger, voilà. Tout simple, si tu travailles en bras avant, tu viens en jambe arrière. Si tu travailles en bras arrière, en jambe avant, c'est-à-dire un, deux crochets, voilà, t'es en jambe arrière. Un, deux, boum, boum, t'es en jambe avant. Un, deux crochets, percute, bam, 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 jambe avant. Ah ouais. Voilà, tu croises à chaque fois, ok. Tout simple, que de la coordination, léger. Un, voilà, un, boum, un, deux crochets. 1, 2, crochet, percute. Jab, jab, cross. Voilà, tu vois, coordination. Ça se travaille à fond, tu vois. Tout en travaillant léger. 1, boum. 1, 2. 1, 2, crochet. 1, 2, crochet, percute. Jab, jab, cross. Jab, jab, cross, crochet. 1. 1, 2. 1, 2, crochet. 1, 2, crochet, percute. 1, 2. 1. 1, 2. 1, 2, crochet. 1, 2, crochet, percute. Je vois. L'entraînement est bientôt terminé, mais là on va faire un peu de coordination pour travailler la liaison des jambes et des bras. Donc là on va passer sur 30 secondes. Bon training, bon training. Et on va continuer à bosser, les mecs. On va continuer à bosser. Je vais prendre du karaté. Je vais prendre du karaté. Sans complexe. Il y a énormément de bonnes choses là-dedans, dans le karaté. Et je vous dis, on oublie le karaté, mais moi je l'ai pas oublié. Ah si, bon, le karaté, bon, c'est parti. On va faire un peu de coordination, les gars. Moment au moment où en fait on était dans la préparation de son combat face à Gaïef à Orlando, qui est la légende hein, du karaté pour ceux qui connaissent. Donc il l'avait déjà affronté au fait en karaté traditionnel et il avait mis un KO à Gaïef, sauf qu'en karaté traditionnel ils avaient mis Davy perdant justement à cause de ce KO. Et c'est là qu'ils ont pensé à faire karaté combat au fait. Mais tu non, vois ouais. C'est l'histoire. Ouais, c'est l'histoire vraiment, tu peux demander à Davy, c'est l'histoire. Et du coup voilà, après on s'est entraîné et comme je le disais tout à l'heure, eh ben, il a fallu apprendre à Davy au fait à faire des liaisons parce qu'il travaillait que en jambes. Donc voilà, il fallait vraiment qu'il travaille en point-pied ou en pied-point ou en point-pied-point, pardon. Ou en pied-point-pied, tu vois. Voilà, il a vraiment
vraiment fallu travailler ça, les liaisons à fond, le fait de ne pas travailler à l'unité au fait, tu vois. Donc voilà, et face à Agaïev, le game plan en fait, et Agaïev il a été super prudent, il ne s'est pas... Ouais, si tu regardes le... Ouais, exactement. Il a été très prudent, parce que, et même si tu regardes le fight, à un moment donné, on m'entend crier en disant à Davy, arrête les jambes. Je lui dis carrément d'arrêter les jambes, de tout se concentrer sur les points, en fait, et de balancer les jambes après. Ah, tu vois, fight, ouais, ouais, et je lui dis vraiment en criant, quoi, je lui dis arrête les jambes, parce qu'au fait, Agaïev, il attendait que Davy lui lance une jambe pour la saisir, le projeter et aller au sol. Tu vois, il l'a fait. Voilà, il a fait. Il n'a pas cherché de KO, il a cherché vraiment les projections au sol. Agaïev, il a gagné son combat vraiment au comptage, au fait, tu vois. Vraiment, il voulait. En fait, il avait plus peur de prendre le KO, tu vois. Il voulait pas mettre. Il savait qu'il allait pas mettre de KO à Davy, parce qu'il est trop solide, Davy. Tu vois, il y a personne qui va le mettre KO, tu vois. Et non, je te jure, il est trop solide. Moi, je l'ai vu prendre des trucs, même en sparring, tu vois. Il est solide de ouf, tu vois. Des fois, je lui mets des gars, ils font 100 kilos, les gars, tu vois. Il est solide. Mais Agaïev, il le savait très bien. Et d'ailleurs, à l'hôtel, après le combat, il était. Davy, il avait pas une marque. Mais Agaïev, il était marqué de partout. Il avait même le point. Il avait accepté d'apprendre, prendre. Exactement. Il a compté sur les points. C'est exactement ça, ouais. Exactement ça. Bon, ben voilà, merci Ken. Merci à toi, frérot. Merci. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, les mecs, n'oubliez pas de s'abonner. Hein. Allez, les gars, vous savez, Kingo, c'est de la fight, encore de la fight. Let's go.